Eh bien, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi, ça va très très bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la suite et sûrement la fin de notre aventure sur Resident Evil 2, la partie avec Claire. Bienvenue dans cet épisode 12. Prévoyez un petit truc à boire, à manger, pourquoi pas. Éteignez les lumières, mettez un casque ou des écouteurs. Et on va faire le vide dans notre inventaire parce que là, il y a beaucoup de choses. Alors, cette cassette, on l'avait déjà vue avec Leon. Normalement, ça devrait être la même. Pas très intéressant, ces fleurs, je pense qu'on peut les combiner et les déposer. De toute façon, on va en récupérer d'autres, vous inquiétez pas. Le bracelet, on va évidemment le garder. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On va peut-être utiliser... Vous savez quoi? Déjà, ça, on va prendre. Ça, très clairement, on va prendre. On n'a jamais trop de soins. Ça, on va prendre aussi. On va utiliser, voilà, deux poudres. Ça me paraît pas mal. Donc, voilà ce qu'on va faire. On va voir deux poudres, ce que ça peut donner. Oh! C'est pas mal. Honnêtement, très honnêtement, c'est pas mal. On va se faire des balles de pistolet. On est vraiment bien. Honnêtement, on est vraiment bien. Normalement, ça devrait faire une bonne quantité de balles. 30 balles, clairement, c'est plutôt propre. Donc là, allez, on va se refaire encore un dernier truc. Qu'est-ce qu'on peut faire? Mais qu'est-ce qu'on... On a tellement de trucs en vrai. Encore... encore pistolet, hein, je pense, hein. Non, je sais pas, je sais même, en vrai on peut le tenter comme ça, hein. Qu'est-ce qu'on peut faire? J'hésite, j'ai l'impression d'être dans une boutique de fringues, c'est ridicule. Allez, hey, les gars, on va voir un petit peu ce que ça va donner cette connerie. On va se refaire encore des balles de pistolet et on sera très 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 bien. Allez, on est parti, direction normalement le boss. Je sais vraiment pas ce qui change sur la fin du scénario, puisqu'on est en train de le découvrir ensemble. Ah, j'ai oublié l'antiviral, sinon ça va pas s'enclencher, forcément. J'espère que cette aventure, encore une fois, vous a plu. Moi, en tout cas, j'ai trouvé ça vraiment cool. Et qu'est-ce que c'est que cette connerie? What? Ah, c'est nouveau. Attends un peu. Ok. Bingo. Je l'ai. Ok. Enfin, c'est nouveau. L'agent antiviral. Forcément, parce qu'on a le collier de Chéri. Donc on n'en avait pas besoin avec Leon. C'est parti. C'est quoi ce monstre? C'était mon mari. J'ai créé ce virus! J'aurais dû le tuer quand j'en avais l'occasion. Je sais pas pourquoi j'ai pas pu. C'était votre mari. À vrai dire, on était surtout mariés à notre travail. Et chérie, dans tout ça, comment avez-vous pu la laisser seule alors que Raccoon City était à feu et à sang? Je ne pouvais pas laisser ma fille grandir dans un monde où le virus G existe. C'est pas une raison pour la laisser. William.
autres, chérie. Tu ne sais pas à quoi tu as affaire. J'ai eu le temps de me faire une idée. Quoi que tu fasses, sois bien certaine de le tuer. Je sais. C'est toi qui va en finir. Oh ! C'est tellement stylé, mais pourquoi tu fais ça à terre ? Ah ! Juste une neutralisation de la cible. Oh, je rigole! Aïe! Lui, rigole pas! Ok, bon, les gars, là, je vous le dis très honnêtement. Ok, je vous le dis très honnêtement, c'est la merde. C'est la merde de ouf. Non! Je suis déjà terminé. C'est terminé! Bon. Si ça vous gêne pas, vous savez quoi? On va prendre un soin en plus. Comment il les stocke dès le début? Ah putain! Incroyable. Par contre, Annette, elle fait un petit peu plus pitié, si je puis me permettre. Tu sais, t'as plus de la peine pour elle et son histoire. Parce qu'avec Leon, elle est passée un petit peu pour vraiment la méchante et tout. Et là, là tu vois plus une femme sensible, hein, si je puis me permettre. En tout cas, avec un fond de sensibilité. Bon! Bougez pas, on va reprendre des soins et on est parti, on se retrouve directement devant. Par contre, qu'est-ce qu'il est là, Claire? C'est pour ça qu'elle est sublime, c'est pour ça qu'elle est juste sublime. Des soins, on en a clairement jamais trop. A tout de suite devant. Infraction de classe. Jusqu'à neutralisation. Ok. J'ai déjà failli prendre ma part, je vais la prendre. Ok, mon pote. Ça, c'est de l'esquive, mon gars! Bon. Ah. Ok, ça, c'est beau, ça! On va utiliser le magnum, hein. Il est tellement stock! Ça, c'est beau, ça! Ok. On va peut-être pas faire trop le tug. On va passer à l'acide. Ça lui frappe aussi bien. Ça lui fait du bien. Je rigole! Oh la vache! Ok, c'est beau ça! Ok, c'est beau ça! Beaucoup de balles, hein, ces conneries. Très bien, j'ai compris. Je pense avoir compris le jeu. Ok. Ouais, d'accord. Non! Oh, tu ne devais pas me toucher là. C'est injuste. Waouh, on se calme, hein. Je rigole. Arrête! Oh la vache! Waouh! Il m'a ramassé à l'ancienne. Ok, c'est pas grave. Eh, les gars, qui panique ici? Personne panique, ok. Oh non. Ah, là, lâche ça, s'il te plaît. Ok. Il a un œil en plus, là. Aïe! C'est pas gentil! Oh, j'ai failli prendre ma part, hein. Ok. C'est beau, ça. Ok. Allez. Oh, beau jeu, très beau jeu. On encourage l'adversaire. Ok. Ok, il est très résistant, même cocasse. Ok. Non, monsieur, ne faites pas. Monsieur, c'est une grande porte là, hein. Monsieur, reposez ça.
c'est rien. C'est bon! Je monte! Ok. Bon, on va tout ramasser parce que clairement, c'est pas terminé. Balle de pistolet, ça je prends. Ça, c'est plutôt cool. Ça, je prends. Oh. Est neutralisé. Fin de la quarantaine. Ils avaient donné plutôt pas mal de balles en vrai. Et on s'en est sorti comme des dieux grecs, les gars, si je peux me permettre. Très très bien. On continue, on va tout ramasser parce que c'est pas fini. Sachant qu'il n'y a plus Mister X. Attention, c'est une énigme, les gars. Ça vaut 5 points au bac. Qui va-t-on affronter sur la fin? Aucune fichue idée. Hop, on va tout charger. Hein. Là, on se régale. Voilà. On est pas mal. Oh, une flash. Limite, tu vois, limite la flash, elle est en trop, tu vois. Limite, ils ont voulu régaler. Oh! Je prends des balles de magnum. Oh là 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 là. Mais ça, c'est plus qu'un régal, là. Là, c'est plus qu'il n'en faut. Très, très bien. Qu'est-ce qu'on a regardé? Regardez! Regardez-moi! Attendez. Parce que là, c'est limite vraiment trop. Hop. Ah, ta gueule, hein. C'est jamais terminé avec toi, de toute façon. Oh, on a fini cette... On a eu des moments de... Non, franchement, les gars, l'aventure était ouf. L'aventure était ouf. Alors, forcément, on l'a fini, entre guillemets, avec plus de simplicité et facilité, parce qu'on connaissait certaines choses, on va pas se mentir. On savait gérer l'inventaire mieux que le premier run. Mais quand même, les gars, moi je me suis régalé. Je me suis régalé, je me régale encore d'ailleurs. On va ramasser tout ça là-haut. Qu'est-ce qu'on a là? Non, oh, votre sang. Eh, on laisse, c'est cadeau, hein. C'est cadeau, les gars. Faites-en ce que vous voulez. On va aller de l'autre côté pour être sûr. C'est bon. Tout a été fouillé. C'est parti, on prend l'élévateur. Et on continue. Hâte de voir ce qui m'attend. Parce que là, il n'y a pas Monsieur X. Mister X, pardon. J'ai vraiment hâte de voir ce qu'il m'attend. C'était par où? C'était par ici, tout simplement. J'espère que chérie va bien. Mais oui, elle va bien. Elle va bien. C'est la boss. J'aurais peut-être dû prendre le pistolet laser, non? Oh, c'est pas fini, attendez. Il me reste un inventaire, j'hésite. Mais j'ai encore des balles de magnum, alors là, c'est terrible. C'est terrible. Alors, attendez. Attendez. Faisons le point, s'il vous plaît. J'ai des soins, mais en veux-tu, en voilà. Là, si on n'arrive pas à terminer, je comprendrai pas. Peut-être le cut, en vrai. En vrai, le cut, hein. Ouais, le cut. Le cut, c'est vraiment le petit truc en trop. Ah, c'est le petit truc qui déçoit un peu, tu vois. Ah, j'ai peut-être une idée, par contre. No joke, j'ai peut-être une idée. Bougez pas. Et maintenant, on va prendre ça. Là, les gars, faut savoir en profiter dans la vie. Oh, qu'est-ce qu'on est bien. Qu'est-ce qu'on est bien. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On peut encore utiliser... Oh là, il y a trop de choses, Oh là là, il y a trop de choses. Les gars, je suis repeint. Allez, c'est parti. En vrai, je pense qu'on a largement de quoi finir. Pas envie de, voilà, hein, pas envie de vous dire n'importe quoi, de vous spoil. Mais on est plutôt bien. Ah, mais c'est clair, c'est ma préférée, tu vois. J'étais obligé de la chouchouter, tu vois ce que je veux dire. Ok, c'est parti. Attendez, parce que on fait les malins. Par contre, genre là, je vous le dis, le Birkin qu'on a affronté avec Claire était clairement plus chaud. Comment ça, accès refusé? What the fuck? Faut prendre l'ascenseur. Ah non, faut juste partir. Wow. Ah, faut aller voir Chérie sûrement. Ok, très bien. J'étais un petit peu perdu. Donc là, c'est de la nouveauté. Ici, on avait un event qui était enclenché avec Leon. Et on se retrouvait sur le boss final tout en bas. Et on va peut-être save, les gars. Toujours se faire un petit plaisir. Hop, ça mange pas de pain, comme on dit. Aucun souci encore une fois. Et on y va. Je sais pas qu'est-ce qui m'attend, mais c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on va retourner dans les égouts, mais ça serait incroyable. En vrai. Ok. Chérie, régale-moi. Hey! Tu as réussi. Maman a besoin d'aide. Annette? Chérie, comment tu te sens? Ça va. Mais je m'inquiète pour toi. Maman?
Oh, je dois voir le moniteur. Oh, Dieu merci. Chérie va s'en sortir? Elle sera faible encore un moment, mais... Oui. Elle est guérie du virus G. T'as entendu? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle a été attaquée par ce monstre. Non! T'en fais pas pour moi. Emmène ma fille en lieu sûr. Pardonne-moi, chérie. Pour tout ça, ta vie est tout ce qui importe. On ne peut pas la laisser ici. C'est vrai, on ne peut pas. Attention, retrait non autorisé d'un virus de niveau 4 détecté. Ça veut dire quoi? C'est le code d'autodestruction. Il s'active si le virus quitte le labo. Claire, sauve ma fille. Chérie, il faut dire au revoir à ta maman. Allez, dis-lui au revoir. S'il te plaît. Écoute. Elle t'aimait, tu sais. Il faut vraiment qu'on y aille. Allez. T'avais raison, ta veste. J'ai de la chance de t'avoir. On parlera de tout ça plus tard. Il faut se dépêcher. Allez. Eh bien, c'est bien intéressant tout cela. Donc, puce d'accès de niveau 4. Tu peux marcher plus vite. Il faut aller prendre l'ascenseur. Oui. Allez. Je veux pas te presser. Mais on doit y aller. Si, faut le presser là, chérie. Hein. Là, t'es très très chiante, ma grande. Quoique la cassette vidéo, je sais pas si c'est la même. Ah, je suis en suspense. Je suis en hésitation totale. C'est pas grave, j'ai save. Je pourrais aller la voir en off. Pardon. Ok. Excusez-moi, j'ai tendance à m'emballer. C'est parti. Bracelet de niveau 4. Direction donc le sous-sol. Fichons vite le camp d'ici. Mais c'est qui? Mais c'est pas William, il peut pas revenir. Je l'ai arraché. C'est bon, on est là. Allez! Attention, séquence d'autodestruction activée. Utilisez l'ascenseur. On y va. Ça va, chérie? Regarde comme c'est beau, chérie. Regarde. Avant de mourir, c'est pas une belle vue là qu'on a là? De cette autodestruction? Putain, il faut tout ça pour autodétruire un labo, sa mère. Claire? Ouais. Oui. Merci pour tout ce que tu fais pour moi. Pour ton aide. Je suis contente de t'avoir rencontrée. Moi aussi, je suis contente, chérie. Mais tu me remercieras quand on sera sortis d'ici. Alors justement, je voulais te dire que c'était la merde à ce niveau-là, Claire. Bon. Ok, c'est par ici. Ah si, ça en avait été, je crois. Non, mais non, on était directement tombé. Oui, oh là 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 là. Non, c'est trop, wesh. Si, sur les moniteurs, j'ai souvenir qu'on avait vu justement Claire à l'époque. Elle disait, ouais, ça va, moi, Psartek. Ah, bon. Là, c'est la merde. Moi, je le laisse là. Eh, hey, je laisse un cut ici. Ça sera pour Leon quand il fera son aventure. C'est parti. On y va. Claire, régale-moi. On peut save. Ça, c'est plutôt cool. En vrai, on va save. Eh, hey, aucune donnée, ça me fait plaisir, les gars. C'est moi qui régale. On n'a plus de carte mémoire. On peut se permettre de save un peu partout maintenant. Aucun problème. Allez. En vrai, j'avoue, sur les soins, j'étais américain. Eh, vous savez quoi? Hop, on dépose. Et vous savez quoi? On va même jouer très beau jeu. Non. On va utiliser ça pour se mettre en mode OK.
Et on va aller chercher le cut. Et là, on sera juste très bien. À moins qu'il demande beaucoup de balles. Parce qu'encore une fois, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je trouve que ce William Birkin là était plus chaud que celui de Leon. Okay. Très bien. Ça, je crois que c'était chronométré, donc on a qu'à Val. Jusqu'ici, pas trop de danger. Ah ! Ok. Bon, d'accord, il y a un petit peu de danger, il y a un petit peu de danger. Qu'est-ce qu'on a ? Mais c'est trop, les gars. Garde ta planque, frérot. Sur le jeu en face. Chéri, cours ! Ah ! Chéri, pour venir ! Allez, cours, hein, on n'a pas le temps. Yo ! Bon, ça, c'est cadeau. Et je le laisse ici. Vous dites rien à personne, ça sera pour Leon aussi. Allez bien chérie, hein. Chérie, je pense qu'elle est invulnérable. Elle est pas touchable. On y va calmement. Donc on va affronter, on va bien affronter quelqu'un normalement. Mister X qui se serait réparé. Hop, un petit 360. Ça fait toujours plaisir. Évidemment, cette foutue porte est fermée. Attends. Chérie, qu'est-ce que tu... Je crois que je peux l'ouvrir de l'intérieur. Oh, les doués. Quoi? C'est franchement pas le moment. Ah! 9 minutes avant. Chérie, s'il te plaît. Allez, hein. C'est très très long. C'est très très long, chérie. Allez, merde! Chérie, putain! Non, mais ça faut que j'arrête d'utiliser ça, hein, le bloc, hein. Ok. J'ai réussi. Ah, on y va. Putain, j'ai utilisé. Oh merde. Bien joué, chérie. Tu pars de déception, je vous avoue quand même, hein. Pour le joueur thaïlandais, j'ai utilisé tout de même deux bordels acides. Ok, on bombarde. La vache, putain, trop stylé. Chérie, tu tiens le coup? Je suis derrière toi. Continue comme ça. Elle est tellement mignonne. Je crois qu'on y est presque. Tellement mignonne. Elle est adorable. Ça vaut le coup d'essayer. What? T'es où? Attendez, on va se calmer, s'il vous plaît. On va tout placer. On va se faire... on va se faire un petit plaisir. Allez, hop. On vit qu'une fois, les gars. Hein. Voilà, nickel. Ensuite, on va prendre... Non mais regardez, j'ai 4 couteaux de combat. Je suis juste abusé, je suis juste un monstre en fait, je pense. Peut-être un des meilleurs joueurs EU. Qu'est-ce que c'est? Claire, t'es parti où là? Attends, je connais pas moi, hein. Claire, chérie, t'es parti où? Ok, c'est bon, j'ai. GGG, je suppose qu'il faut actionner ce bordel à l'intérieur. Voilà. What? Ok. Bougez pas. Hop. Ouais, mais les gars. Allez, hop, jetez. C'est quoi ce délire? On me donne vraiment une Gatling, hein, les gars? Vas-y, bah, je prends, hein. Je prends mon bro, hein. Ouais, par contre, on va la mettre à la place de quoi? En vrai, équipé. Attends, je sais plus ce que je fais, c'est terrible. Raccourci. Voilà. Vous savez quoi, on peut même se permettre, vraiment, mais alors vraiment pour le plaisir et un bonheur sans nom, aller vite faire la boîte. On perd un peu de temps, mais on s'en fout durant. On est là pour le plaisir. Allez à la boîte et regardez, on va poser ceci. Honnêtement, ça ne sert pas à grand. On a beaucoup d'armes, vraiment, hein, dans le jeu. C'est incroyable. Allez, on se casse. Vas-y, tu peux venir, ma petite chérie. On va actionner ça très rapidement. Ok, donc quand on donne une sulfateuse, c'est que ça va jamais bien se passer, d'accord? On soit bien d'accord. Ok. What? Attends, parce que là, je me suis fait pranker. C'est une prise, elle est où? Ah! Mais oui, c'est clair! Qu'est-ce que tu fais? Je dois démarrer ce train. Attends-moi juste ici, d'accord? Ok. Promis, je bouge pas.
Bien. Sois prudente. T'inquiète. Avec une sulfateuse dans le dos? T'inquiète pas, chérie. Je reviendrai en état. Attention. Attends, mais une sulfateuse dans le dos, mais j'ai fait un bruit avec, c'est n'importe quoi. Ok, hop, ça. Mais... Bon. Alors, ça fait quelque chose. Ok. Ça fonctionne. Claire! Quoi? Léon? Toi aussi, tu es là? Ouais. Mais tout est sur le point de s'écrouler. Écoute, il faut que tu sortes de là. Vite! Je sais, j'ai un moyen de sortir. Je crois qu'on peut y arriver. Où es-tu, là? Claire, t'es toujours là? Léon, désolé, je t'entends mal. T'en fais pas pour moi! Fiche le camp d'ici! Léon! Léon! Merde! Tellement stylé de suivre cette ligne parallèle. C'est parti, on se casse. C'est pas fini, hein. Ça va encore partir en couille, vous le savez, les gars. Hein. Une fois, je ne suis pas sur le dos. Voilà. C'est William! Wow! Ok, il y a beaucoup de vieux là. Hein. Ok. Calme-toi, calme-toi. Je rigolais. Oh la vache! Je rigole pas là! Qui a dit que je rigolais? Ok. Waouh! Je rigole! Par contre, là, c'était vraiment, je rigolais! Ok. Ok. Goûte ça, baby. Waouh! Vache! Ok, je voulais être sympa avec toi. Et ben là, c'est terminé! J'ai plus aucune pitié, mon pote! Merde! Ok. Ça commence à devenir complicado. J'ai droit à une chance, hein. Je pense que je peux prendre encore. Wow! Bon. Là, je pense que je peux plus prendre de coups. Si, je peux encore prendre de coups. Ok. Ok. Monsieur, vous êtes très chiant. Ok. Monsieur, vous êtes très chiant. J'ai plus de balles. Mais ça, c'est terrible. Attends, mais c'est terrible de ouf. On fait le malin, mais là! Ça, c'est cadeau, mon pote. Monsieur? Oh là là! Oh! Il change de direction! C'est le boss! Waouh! Il est chaud! Ok. Ok. C'est bon? Oh yes! Non! C'est quoi ça? Ok. C'est quoi ce délire? Même jusqu'au bout! Allez, ça dégage. Bon, la racaille! Ça dégage!
Alors dis-moi, qu'est-ce que tu veux faire une fois dehors? Je veux voir ta maison. Ah. Ça tombe bien. J'ai besoin d'une douche. Ouais. Vraiment? À ce point? Ah oui. Claire! Léon! Je suis si contente! Je t'avais dit qu'on s'en sortirait. C'est vrai. Et c'est la fin de notre scénario avec Claire. Alors très sincèrement, la fin plus chaude et plus longue qu'avec Leon pour le boss de fin. Clairement, je m'attendais pas à ça. Néanmoins, très cool. Et honnêtement, après, on était en mode normal, donc je pense qu'en mode difficile, ils y sont allés mollo sur les munitions. Mais peut-être donner, vous savez, quand j'ai tué William juste avec les munitions que j'avais, et qu'après on a fait tout le tour pour tout ramasser, bah quand on a fait tout le tour pour tout ramasser, il y en avait peut-être un peu trop. Après, je me dis, si j'avais fait Claire dès le début, j'aurais peut-être eu besoin d'utiliser ces munitions-là, sachant qu'avec Leon, en plus, j'avais besoin de les utiliser, mais sinon... Incroyable, très bonne expérience pour les deux. Ça fait plaisir de voir ce qui s'est passé en parallèle du côté de Claire et j'ai bien kiffé avec Sherry. Si je dois, favoriser, je dirais que très honnêtement, je mettrais sur Claire quand même. Pourquoi? Parce qu'il y a eu l'orphelinat déjà, c'était vraiment cool. Et il faut savoir que même dans le jeu de base sur PS1, il n'y avait pas l'orphelinat. Donc on a eu un petit bonus entre guillemets, vraiment un tout nouveau lieu qui a été conçu uniquement pour ce remake. Mais je donnerais quand même l'étoile à Claire, très honnêtement à Claire, parce que avec Ada c'était un petit peu chiant. J'ai pas kiffé jouer Ada dans les égouts, je suis pas très fan d'Ada, je l'aime bien, attention hein, dans Resident Evil 4 j'ai bien kiffé son Separate Ways, c'est son scénario à elle, mais je préfère quand même je préfère avec Sherry, c'était mieux. Pour moi c'était vraiment mieux avec Ada, j'ai trouvé ça. Après c'est dans les égouts, je suis pas très fan des égouts. La phase dans les égouts du scénario de Leon, un peu trop longue, et vu que moi je suis pas fan des égouts, bon ça m'a un petit peu saoulé. Mais sinon les deux étaient top, les deux étaient un véritable plaisir, on va pas se mentir, à faire et à refaire. Pourquoi pas dans un an si vous êtes chaud. Il y a des scénarios bis où les énigmes ont totalement changé, ça peut être très drôle à faire, à voir. Quoi qu'il arrive, c'était cool. J'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Moi et Claire et Sherry, évidemment. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. On se retrouve, très bientôt pour une toute nouvelle aventure. Wait and see, je ne vous en dis pas plus, mais ça arrivera très bientôt. Allez, portez-vous bien, prenez soin de vous. Ciao, ciao.